pas trop le côté magique, là, comme on dit, c'est la forêt magique. Mais c'est vrai qu'il y a des ambiances particulières. C'est un vrai mélange entre la forêt et le caillou. J'ai autant de plaisir à me balader, en fait, pour le décor qu'à grimper. Il y a du sable, il y a des arbres, il y a des blocs, enfin, je veux dire, il manque que de l'eau. Ah bah le grès, c'est que c'est parmi des grès à grains très fins. On retrouve beaucoup de sculptures, il y a une bonne variété de formes. Ça part un peu dans tous les sens dans certains sites. Tu vois, plus tu descends dans la partie sud du grand massif, c'est hyper tordu le rocher, ça fait des formes pas possibles. C'est très varié. Il y a toujours beaucoup. Pas parce que le site est infini, mais parce qu'en fait c'est très labyrinthesque. Dès que tu te mets à tourner, même autour de placettes qui seraient hyper connues, tu trouveras toujours des nouvelles choses.